Bonjour à tous, je suis Ethan, journaliste au Petit Carreau TV, et je vais vous faire le compte-rendu de notre sortie à la BNF. Durant notre voyage, qui fut plus ou moins long, nos journalistes avaient ramené leur déjeuner. Une fois arrivés, nous sommes passés à l'intérieur de la BNF avant d'arriver dans la salle où nous allions découvrir ce que les autres avaient à proposer. Entre journaux papier comme journaux numériques, présentations de projets et de groupes, tout y était. Les différentes catégories étaient primaire, collège, lycée et autres. Lors de notre passage sur scène, tout le monde a parlé à son tour pour présenter le Petit Carreau TV. Et puis, finalement... Au jury national, donc il y a une forte chance que l'aventure continue au concours national. Pour... Voilà, j'ai les indiscrétions, laisse entendre que ça n'est pas terminé. Il nous faut absolument une photo, vous vous serrez bien. Et je crois qu'il y avait quelque chose, tu voulais rajouter quelque chose. On a juste notre documentariste, qui est aussi rédactrice en chef, Madame Saint-Louis, qui est sur notre manifestation aujourd'hui, voilà. Et on vous applaudit très fort. On a gagné! Cela fait 2 ans d'affilée qu'on reste sur le podium de notre catégorie à la place numéro 1. Donc on est chaud, on a gagné, franchement c'est super parce que c'est le résultat d'un travail qui dure depuis le début de l'année, voire même depuis l'année dernière, donc c'est bien. C'est vraiment bien, je suis content, je suis super fier pour tout le monde et tout. Intégrer de nouvelles personnes, c'était super, franchement une belle année. Le résultat est vraiment très bon, c'est... Enfin voilà, il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a pas de mots. La cérémonie était super sympa. Donc voilà. Bah, la cérémonie était bien. En plus, pour moi, c'est la première aussi pour d'autres personnes. Non, franchement, c'était bien. On a reçu un beau cadeau, c'était une caméra GoPro. Et puis, on a passé un super moment avec les remises de prix et tout le reste de l'équipe pour la remise de prix, voilà. Bah, j'ai pensé que notre place, elle était bien, voilà. Ouais, après, la cérémonie, elle était bien. Il y a certaines chaînes YouTube qui étaient très bien. Alors, je suis très contente de la cérémonie, surtout qu'on a gagné le prix. Et j'ai trouvé que c'était... qu'on a pu voir beaucoup de journaux. Alors qu'on a vu plein de journaux, notamment des lycées que j'ai trouvé très bien. Et je suis très fière d'être première de la catégorie numérique en représentant le journal du Petit Carreau. Alors, on a pu voir des choses quand même assez intéressantes. Il y a vraiment des élèves qui nous ont épatés. Principalement, moi, nouveau papier des lycéens. C'était vraiment fantastique. Ils ont participé à un concours d'écriture qui s'appelle Expresso, qui serait pas mal que l'on fasse, nous, avec le collège. Il s'agit de faire une nuit blanche où on sort une. Et après, on vote pour les meilleures unes et elles sont récompensées. Ça, ce serait vraiment pas mal.
Et quant à l'année prochaine, on va essayer de se faire des petites cartes presse pour être invité sur certains salons de Paris. On ne pourra pas tous les faire, hein, parce que du coup, ça va nous demander sûrement des petits week-ends ou ce genre de choses. Et sinon, je vous attends pour un tac au tac, parce que vous n'êtes toujours pas passé dans ma superbe salle qui est toute neuve. Et je ne vous ai toujours pas montré une ou deux petites expériences. Voilà. Donc je vous attends et à bientôt. Certains étaient si contents que l'on a même eu le droit à une petite danse. Une petite danse. Un jour normal. Un jour normal à Coron.